Les nouvelles routes qui viennent d'être construites sont en train de se dégrader à vitesse grand V. Les causes sont très simples. Je vous parle parce que je crois être informé de ce que c'est qu'une route et ses dépendances. Les gros camions qui roulent sur cette route aujourd'hui en faveur du projet Simandou et qui ne sont pas avec les limitations de charge en essieu, des très gros camions sont en train de détruire prématurément la route Conakry-Mamou. Si nous ne prenons pas des dispositions urgentes, je vous garantis, la route Koya-Mamou ne fera pas 5 ans. Aussi, les moyens doivent être donnés au service d'entretien routier pour intervenir. Les moyens doivent être donnés, dégagés, utilisés à bon escient avant les pluies. Lorsqu'il pleut, on ne peut rien faire sur une route. Les caniveaux doivent être débouchés avant la route, avant la pluie. Les trous doivent être bouchés avant les pluies. Les repoussages doivent être faits avant les pluies. On ne peut pas travailler sur les routes en saison pluvieuse. La mesure simple qui devait être prise, c'est de mettre les PGC à la sortie du port pour empêcher les camions qui sont en surcharge d'emprunter ces routes fragiles. La route est la chose la mieux partagée. Que vous soyez pauvre, riche, chef ou moins chef, quand la route est dégradée, soit elle influence sur votre véhicule, soit elle influence sur les denrées alimentaires qui sont transportées par ces routes-là. Ceux qui vont à Koya actuellement et ceux qui conduisent à Kibia, vous observez, même si vous n'êtes pas ingénieur, vous voyez que la route est en train de partir à vitesse grand V. Nous demandons au gouvernement, au lieu d'acheter les armes, la priorité aujourd'hui, c'est l'électricité, c'est les denrées alimentaires, mais c'est surtout les routes. Si on ne prend pas de dispositions, d'ici 2 ans, d'ici la fin de la saison de pluie, il n'y aura pas de route entre Lubeka et Tanel. Il n'y a déjà pas de route entre Bamou et Lagé. Il n'y aura pas de route également entre Conakry et Mamou, parce que la nouvelle route qui vient d'être construite va être complètement dégradée.